Chers téléspectateurs, nous avons le plaisir de vous informer que notre émission Sagesse sur Save Africa TV dans YouTube passe désormais le mercredi soir à 19h, heure du Cameroun. Nous vous donnons également rendez-vous le vendredi soir à 19h, heure du Cameroun, pour votre émission sur le panafricanisme et la renaissance africaine, avec la participation du grand prêtre africain Moubitan Yandaga.19h, heure du Cameroun. Nous espérons que vous avez apprécié les sonorités de l'Afrique profonde qui ont planté le décor et que nous vous invitons à déguster une fois de plus pour pouvoir nous retrouver derrière ce rideau.
Eh bien, l'Afrique est de nouveau là. Elle fait signe à toute l'humanité de pouvoir se retrouver et de faire un avec la divinité originelle. Nous allons ce soir vous parler d'un thème qui, en même temps, préoccupe l'humanité et semble la plonger dans les ténèbres complètement, on pourrait dire bas, et qui ne donne aucun espoir de manière à ce qu'un jour on puisse dire « Nous sommes sortis de l'eau par notre propre volonté et parce que nous l'avons voulu. » La dégénérescence de la religion africaine fait montre de beaucoup de difficultés auxquelles les Africains eux-mêmes sont confrontés sans qu'ils puissent s'avérer qu'il y a une main externe qui pèse sur eux et qui les ferait aller à l'encontre de ce qui devrait être le véritable culte. Nous allons de ce pas vous présenter ce soir nos panélistes et nous vous déclinerons par la suite le thème du jour. Allons retrouver en Martinique notre ami Wilson, à qui, quoi qu'étant au Cameroun, nous souhaitons une très bonne arrivée en Martinique. Salut à toi Wilson, et on espère que tu as de bon gré retrouvé la terre des ancêtres. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien et merci beaucoup. Oui, je suis bien arrivé, ça s'est très très bien passé. Le Cameroun me manque un peu. Et bon, ça me fera précipiter mon retour au village. Donc, je salue tout le monde au village, je salue tous les panélistes, je salue tous les spectateurs, tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation de ce soir. On comprend, hein, Wilson, c'est pas évident du tout. Mais que le village commence à vous manquer à peine descendu de l'avion, on comprend bien cela. Ça pourrait nous arriver à nous tous. Salut à toi, Charles, du côté de Paris. Et bienvenue, une fois de plus, à cette émission de ce soir. Oui, monsieur Maripo. Bonsoir à tout le village de m'avoir convié encore à cette émission. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour dire aussi un grand merci encore à Maître Moubitan, qui j'espère sera là ce soir. Maître Moubitan, pourquoi? Parce que sans lui, cette émission n'aurait pas vu le jour. Vous, à un moment donné, dans l'histoire, surtout en ces temps-ci, par exemple, il faut visionner, il faut pas grand, il faut des grands pour justement relever les défis à un moment donné et mettre en œuvre. Donc, je tenais encore à commencer cette émission, à adresser. Parce qu'il y a urgence. Et souvent, il a toujours dit qu'il faut faire vite. Nous ne vous entendons pas. Nous ne vous entendons pas distinctement, Charles. Maintenant, il est temps de la mettre. Charles! Charles! Oui. Oui, la qualité n'est pas bonne du tout. Nous vous avons mal entendu. Hein. On retire le gain-droit. Nous vous avons mal entendu, Charles, mais nous espérons revenir vers vous tout à l'heure tout en précisant à nos téléspectateurs que pour des raisons indépendantes de notre volonté, l'émission a pris un petit retard ce soir et nous espérons que cela pourra se corriger au fur et à mesure que nous avancerons. Bonsoir, grand maître Moubitan. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui aiment la vérité. C'est un plaisir d'être toujours invité sur ce plateau. Et merci aussi pour la qualité de ce décor que l'équipe de la décoration de ce village met à notre disposition. Il faut dire que nous sommes souvent nous-mêmes émerveillés lorsque nous venons sur le plateau. C'est vrai que parfois les téléspectateurs doivent se demander mais quel est ce décor, quelle est cette beauté, ce décor qui change à chaque émission et tout. Vous pouvez vous imaginer, les amis, que c'est laborieux
Et d'ailleurs, vous devez vous faire une petite idée, pour ceux qui ne connaissent pas ce village, la production des fleurs, de tout ce que vous voyez en termes de fleurs, tout à fait naturel, pris directement dans le jardin de ce village, peut déjà vous dire à peu près quelle est la qualité des cœurs des personnes qui habitent ce village et le travail qu'ils sont en train d'accomplir sur eux-mêmes. Donc je voudrais vraiment encore une fois dire félicitations à cette équipe qui s'attelle chaque fois à faire en sorte que cette décoration, qui s'améliore d'ailleurs tous les jours, puisse nous être offerte à tous. Je voudrais aussi remercier tous les soutiens, visibles et invisibles, qui permettent que cette production soit possible à travers des contributions matérielles. À travers des contributions matérielles, nous leur disons encore une fois merci pour tout cela. Sans vous, il aurait été très difficile de pouvoir produire cette émission de manière régulière. Et en plus d'ailleurs, deux émissions déjà dans la semaine. Je voudrais dire à tous encore une fois merci. Vous participez ainsi non seulement à la renaissance africaine, mais aussi à un nouveau rayonnement certain qui va être très utile pour l'humanité qui actuellement se trouve dans l'impasse. Merci encore une fois de m'avoir invité. C'est un plaisir, Monsieur Moubitan, de vous avoir sur ce plateau chaque jour. Hein. Nous savons les attentes de l'Afrique et pourquoi pas du monde entier par rapport à ce que vous avez à apporter justement pour qu'il y ait une marque ou une démarcation quant à la compréhension de la vie de manière générale. Ce soir, nous allons traiter de quelque chose de vraiment pertinent, mais qui laisse des interrogations dans les esprits des uns et des autres. Nous allons parler du lien qui existe entre la religion et la tradition. Et nous disons à chaud, grand maître, est-ce qu'il y a un lien entre la religion et la tradition en Afrique aujourd'hui? Est-ce qu'à partir du multiculturalisme, des coutumes, des pratiques occultes et de tout ce qu'on peut vivre, qui constituerait ce qu'on pourrait appeler religion pour les uns et les autres, on peut à la fin dire qu'il y a un lien entre ces deux acceptions, religion et tradition? Bien, c'est vraiment, c'est un questionnement hyper important. Parce que lorsque vous écoutez les Africains aujourd'hui, en général, on va vous dire, non, l'Afrique n'a pas besoin de religion, elle a besoin de spiritualité. Mais en même temps, il est dit, non, on ne doit pas abandonner nos traditions, on doit rester focus sur le culte des crânes, sur le culte des ancêtres, on doit offrir des dons, hein, des aumônes, on doit faire des libations pour nos ancêtres, pour ceux qui sont morts et tout. Ah bon. Avec tout cela, eh bien, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas clarifié. Et il me semble que c'est notre responsabilité de pouvoir rendre ça clair. Sinon, eh bien, surtout pour la jeunesse africaine, ça sera toujours davantage compliqué. Ce soir, nous allons vous plonger dans ce qu'on appelle la religion africaine, si on peut l'appeler ainsi, vraiment la religion africaine, qui en réalité gît et vit et a été conservée dans ce qu'on appelle communément en Afrique les traditions africaines. Vous allez voir que ce soit dans la religion, que ce soit dans la tradition, le point commun que les deux ont, qui fait d'ailleurs des deux une unité, c'est bien l'initiation. Une véritable religion est un processus initiatique. Et la tradition, la vraie, c'est un processus initiatique. Ah, il y a une vraie et une fausse tradition. Absolument.
D'accord. Il y a une fausse tradition parce que la fausse tradition, c'est celle qui mène l'homme à s'attacher toujours davantage à ce monde éphémère, passager et matériel, alors que la vraie religion amène l'homme à se détacher de ce monde corrompu pour entrer dans la magnificence de Dieu, pour reconstruire le prêtre-roi que l'homme était à l'origine. C'est pour cela que vous allez voir, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la tradition, il y a donc un processus qui permet à l'homme de partir d'un simple homme, mais pas simple homme seulement, mais d'être un élu, pas un élu seulement, mais d'être un héritier. C'est-à-dire, il faudrait que, pour pouvoir engager ce processus initiatique contenu dans la religion et la tradition, et vous verrez d'ailleurs les similitudes lorsque nous allons vous prendre le cas de la manière dont l'initiation se déroule dans nos traditions en Afrique. Et donc, il faut retenir d'emblée que il y existe pas seulement un lien, mais pour nous, la religion est la tradition. Et la tradition est l'ensemble des processus, des postures et des rites et des rituels et des actes qui permettent de se relier à la divinité suprême originelle. Et donc vous voyez qu'en fait on ne peut même pas parler en réalité de lien, parce que on ne devrait les avoir pas séparés. C'est une même réalité qui s'appelle tradition ou religion. Maintenant, si nous regardons le mot tradition, nous allons voir qu'il y a un emprunt dans la langue anglaise. Cela vient du mot trade. Et vous savez que trade, le trading, c'est le commerce. Or, qu'est-ce que la religion permet d'accomplir? La religion permet d'entretenir un commerce avec Dieu. La tradition, c'est de même. Comment? À travers un ensemble de comportements, à travers une posture ontologique, comment est-ce qu'il est possible d'entretenir un commerce avec Dieu? Vous comprenez donc qu'en ce qui nous concerne, tradition et religion sont une seule et même chose. Mais ce serait un peu antinomique, je crois, hein, dans le vécu quotidien de l'Afrique de nos jours. On pourrait dire que vous êtes en train d'enclencher un processus contraire à la définition du vécu quotidien des Africains en ce qui concerne la religion et ou la tradition. Parce qu'on sait d'emblée, quand on parle de tradition, on parle du père, de ce qu'il a laissé, ou de la famille, peut-être de l'égrégore familial, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis maintenant, vous nous parlez d'initiation. À quoi doit-on s'initier? Et qui doit s'initier? À quoi finalement? Mais très bien, c'est une très bonne préoccupation. Oui, initier, c'est ça le terme qu'il faut utiliser. Et je souhaiterais m'attarder encore sur le terme initié. Initié veut dire déclencher un processus d'éveil qui vous permet d'entrer dans les profondeurs de votre être pour aller découvrir et se relier à ce que vous avez de plus profond en vous, donc votre divinité. Waouh! Permettez-moi un instant, M. Moubitan. Ce n'est pas l'initiation qu'un patriarche ferait à un disciple qui cherche, je ne sais pas, des pouvoirs peut-être traditionnels, qui veut devenir, on pourrait dire, qu'il veut rentrer dans la tradition pour trouver sa place. C'est finalement rentrer à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je parlais d'une forme de déconstruction tout à l'heure, on ne comprend pas. Nous allons davantage expliciter tout cela. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, quel que soit, à cause de la dégénérescence de la religion en général, dans le monde et pas seulement en Afrique,
et de la dégénérescence aussi de la tradition, parce qu'il existe une tradition primordiale. Et la tradition primordiale est la religion. Or, il s'avère qu'au fur et à mesure que l'homme déchoit, au fur et à mesure que l'homme descend dans la matérialité, eh bien, il perd, il se coupe de l'essence. De l'essence, donc de l'essentialité. Lorsqu'il se coupe de l'essentialité, il ne lui reste qu'une seule chose, s'accrocher à ce qui peut lui donner encore des raisons de vivre, à savoir donc ce monde avec toutes ses illusions, cette matière dense avec tout ce que cela comporte comme douleur, souffrance, limitation, nécessité de dissolution et donc de mort. Il s'accroche dessus parce qu'à un moment donné, il est coupé de la véritable initiation, je le répète, qui doit conduire l'homme à se relier à ce qu'il y a de plus profond en lui. Mais maintenant, sans dénigrer toutes ces pratiques auxquelles tu faisais allusion tout à l'heure, ce qui est resté comme vestige d'ailleurs dans non seulement le symbolisme de nos peuples, mais aussi dans les pratiques rituelles et même souvent dans le message. Parce que quand vous allez dans les traditions africaines, par exemple, nous verrons tout à l'heure, pendant qu'on va dérouler ce qu'on appelle le processus initiatique dans la tradition africaine et donc dans la religion, vous allez donc comprendre que, en fait, nous sommes tout simplement perturbés et égarés à cause de la relation qui, à un moment donné, s'est établie de manière presque forcée et de manière malheureuse avec la rencontre avec les autres peuples, l'Occident, l'Orient, avec toutes les religions qui ont été importées et qui sont venues comme religion, alors qu'en fait, on n'utilisait pas le mot tradition, mais en réalité, c'est les traditions venues d'ailleurs qui sont venues s'imposer à l'Afrique. Donc, c'est pour cela que quand vous voyez, par exemple, le christianisme qui a été importé, l'islam, le judaïsme et tout, vous allez toujours voir là-dedans que cela est lié aux cultures de ces différents peuples qui ont apporté les communautés religieuses qui se manifestent actuellement en Afrique. Et donc, vous voyez que là, nous sommes devant une situation assez délicate et je comprends ce questionnement parce que je ne sais pas s'il sera facile toujours à nos téléspectateurs de faire vraiment, de comprendre très bien le message qu'on voudrait apporter ce soir. Mais vous le comprendrez très bien quand on va aborder la manière dont l'initiation se déroule, par exemple, dans le christianisme, et la manière dont cela se déroule dans ce qu'on appelle la tradition africaine. Et nous prendrons, pour exemple, la tradition telle qu'elle se déroule dans un peuple ici au Cameroun, appelé le peuple, qu'on appelle encore le peuple de Grassfield. Eh bien, nous allons en parler pour que vous voyez un peu la similitude entre ce qui est proposé dans l'initiation chrétienne, ou même bouddhique, ou même judaïque, avec le processus initiatique qui est proposé dans la tradition africaine. Nous allons parler de ça tout à l'heure sûrement, mais il fallait tout simplement noter que, attention, soyez très attentifs, parce que nous allons un peu monter assez haut ce soir. Soyez assez attentifs, parce que, comme Charles disait tout à l'heure, il commence à être tard, et il y a des choses que vous devez savoir, parce qu'il n'y a plus du temps. Il faut qu'on fasse très vite. Merci, grand maître. Et nous allons retrouver justement Charles pour lui demander s'il partage votre avis concernant surtout ce que vous avez appelé tradition, la définition que vous en avez faite, et ainsi que l'état des lieux, en ajoutant l'élément qu'on pourrait appeler les coutumes. Parce que lorsqu'on parle dans le jargon de la tradition et ou de la religion, on retrouve les coutumes. Qu'est-ce que Charles en pense? Oui, merci de la parole. Vous m'entendez? Nous vous entendons très bien, Charles. Allô? Allô? Je n'ai même pas eu le nom du temps. Allô, allô?
La réponse est oui. Oui. Oui, nous vous écoutons. Nous vous entendons, cher, mais c'est entrecoupé. Allô? Allô, oui. Allô? Oui, nous vous entendons. Nous vous écoutons, Charles. D'accord. Donc, je disais que, oui, c'est difficile de dire... La qualité de la communication n'est pas bonne. Il faut dire que la qualité n'est pas bonne. Quelque chose de vers lui après. Tu essaies aussi de plus spécifique par rapport à ce qu'il a déjà dit. Mais c'est vrai que aujourd'hui, la connexion est très instable, Charles. On reviendra à vous tout à l'heure. Continue. Ne sont en réalité que des coutumes. On reviendra à vous tout à l'heure. On va retrouver Wilson du côté de la Martinique pour lui demander s'il est en accord avec ce que pense le grand prêtre africain concernant toutes ces pratiques. La religion qui est restée, on peut dire, lettre morte pour les Africains et qui aujourd'hui vient être, on pourrait dire, pensée comme une plaie par la tradition, comme le veut le grand prêtre Moubitan. Cet avis est-il partagé par Wilson qui nous écoute depuis la Martinique? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Pour l'instant, tout va bien, Wilson. Oui? Très bien. Alors, oui, je partage cet avis, tout à fait, je partage cet avis, parce que, quelque part, le grand maître a tout dit, c'est tout à fait juste. On parle de tradition, bien évidemment, on parle d'héritage, d'héritage immatériel, c'est-à-dire de transmission de ce que l'on transmet à tout un peuple, à la culture de peuple. Donc oui, c'est tout à fait partagé. Je voudrais juste processus initiatique dont a parlé le grand maître, et effectivement, il me semble qu'en Afrique, ça donne bien. Peut-être aux jeunes, est-ce que le spectateur suit bien? Les enfants et même les grands. Ont régulièrement des processus initiatiques à passer et tout est initiatique en Afrique, me semble-t-il. Même quand il s'agit d'aller vers un métier, quand on veut être docteur, quand on veut être donc, médecin ou je sais pas, avocat ou bien agriculteur ou bien même praticien, il me semble bien qu'en Afrique, il y a un rythme initiatique. Chacune de ces choses, même le pêcheur, me semble-t-il aussi, à une certaine époque, peut-être pas aujourd'hui, passait des processus initiatiques donnés aux jeunes et aux moins jeunes afin de pouvoir rentrer dans la vie et comment dire, continuer à vivre selon les mêmes manières, les mêmes coutumes et dans une certaine logique, hein, puisque c'est une vie communautaire. Donc, là où ça peut venir un peu un vrai questionnement, c'est de savoir si au niveau de la religion, elle est revenue en Afrique, perdu ses bases et perdu même son essence. Bien, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si les processus initiatiques qui sont dans la religion d'aujourd'hui viennent plus de la tradition de la religion. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, et ça c'est un peu entremêlé, même ça a perdu un peu à la religieuse, donc plus de la tradition que de la, du processus religieux. Hein, on mange, on s'amuse, on fait un certain nombre de mais pour les fêtes que ça soit, apporter la religion dans la tradition et inversement apporter la tradition dans la religion.
Eh bien, Wilson, c'est vrai qu'à la fin, on ne vous a pas assez bien entendu, mais on retient que vous partagez l'avis du grand maître. Seulement, ce qu'on retient maintenant, c'est que l'Afrique, comme l'humanité, avec l'appât du gain, ont relayé d'une certaine manière le fait que la matérialité est plus importante, du moins est plus palpable du point de vue de la vie de tous les jours ou du quotidien par rapport à la spiritualité ou à la tradition. Il a parlé de la tradition originelle tout à l'heure. Mais le matérialisme ayant pris le pas sur la tradition, on observe aujourd'hui que même les définitions qu'on pouvait en retenir sont complètement aux antipodes de la réalité, telle que le préconise le grand maître Moubitant. Nous espérons que Charles nous a entendus et nous revenons vers lui pour reparler justement de la coutume. Charles, est-ce que cette fois on peut vous écouter? Oui, vous m'entendez? Oui, tout va bien pour l'instant. Alors, effectivement, je partageais le point de vue de Maître Moubitant. Mais la difficulté aujourd'hui, effectivement, c'est comme tu le soulignais tout à l'heure, c'est que quand on voit tout ce qu'on pratique aujourd'hui en Afrique, en termes de... c'est complètement antinomique la religion. Certains pensent que la perpétuation des pratiques, qui ne... Est-ce que vous pouvez revoir votre volume à la hausse, Charles? Est-ce que vous pouvez hausser le volume de votre téléphone? Nous vous entendons, mais pas distinctement. Je disais que je partageais le point de vue de maître Moubitant. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que quand on regarde ou dans nos villes, avec la notion de religion. Aujourd'hui, vous m'entendez? Nous vous entendons, Charles. D'accord. Donc, aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste, si vous voulez, à des pratiques qui sont complètement aux antipodes de la religion. Aujourd'hui, parce que Maître Moubitant a défini la religion et la tradition comme étant le fait de se relier. Vous m'entendez? C'est entrecoupé, mais vous pouvez poursuivre, Charles. Il faut oublier, laisser un peu. La communication n'est pas bonne. Il faut oublier, Ben, la machine, elle nous trahit encore ce soir et... Nous allons corriger cela en revenant du côté du studio avec le grand maître Moubitant, à qui nous allons poser le problème du multiculturalisme. Avant d'entrer dans le sillage de l'initiation proprement dite, dites-nous, grand maître, est-il possible qu'avec la multiplicité des cultures africaines, qui ont fini même par être divinisées par ces derniers, à travers soit leur appartenance tribale, soit leur appartenance, on pourrait dire traditionnelle, ou on pourrait dire culturelle, est-ce qu'il est possible de concilier d'un côté l'initiation dont vous parlez et de l'autre pour pouvoir entrer dans la véritable tradition, la tradition primordiale? Il existe plusieurs cultes que les Africains vouent, on ne sait plus trop qui, puisqu'on comme on le dit, on ne sait plus à quel sens se vouer. Les Africains vont dans tous les sens en ce qui concerne la tradition et la religion aujourd'hui. Comment est-ce que cela va se passer, le fait de vouloir les ramener dans la tradition primordiale? De toutes les façons, si vous ne revenez pas à la tradition primordiale, vous êtes détruits. La tradition primordiale ne vous demande pas votre avis. Lorsque la lumière doit briller, elle brille. Et si vous n'êtes pas d'accord en harmonie avec la lumière, elle vous détruit. Et donc, à l'heure actuelle, nous sommes entrés dans une ère particulière, l'ère de la dématérialisation, qui doit amener les hommes à se réconcilier avec leur soi, leur véritable soi, dans leur véritable divinité.
Et cela, les us et coutumes, les habitudes qu'on a prises, qui davantage sont d'ailleurs basées sur la satisfaction des plaisirs des sens, le gain matériel immédiat, et aussi la volonté de puissance, et donc la recherche de pouvoir, que tu as d'ailleurs évoqué tout à l'heure, lorsque des gens essayent de vendre les initiations, soit dit en passant, parce que les gens qui courent pour aller acheter les initiations courent après les pouvoirs. C'est ça la réalité. Ils courent après des pouvoirs qui leur permettraient de pouvoir avoir une certaine ascendance sur les autres ou sur la société. C'est cela qu'on court chercher chez des pseudo-initiateurs qui n'ont de réalité que le non-initiateur, mais qui est totalement vide de contenu. On a observé que des étrangers, on pourrait dire des expatriés, ont justement reçu eux aussi l'autorisation de devenir initiés dans certaines tribus. Oui, c'est même pour cela, c'est ça même d'ailleurs qui prouve que il y a quand même une réminiscence de cette tradition primordiale qui fait en sorte que ce soit le blanc, le rouge, le jaune ou le noir, qu'on se retrouve en train de chercher quelque chose, y compris dans la culture des autres. Parce que tu as fait allusion au multiculturalisme. Je pense qu'il faut aussi entrevoir dans le multiculturalisme cette réminiscence donc de cette unité originelle qui fait de la tradition primordiale, dont celle qui consistait à se relier à nouveau à Dieu et donc la religion véritable, eh bien, cela est donc un atout important, le multiculturalisme, parce qu'il permet de contribuer à l'unification des êtres et à éviter le séparatisme dû, par exemple, à la couleur ou alors aux us et coutumes. Après avoir dit cela, il faut quand même considérer que lorsqu'on parle de tradition et de religion, nous l'avons dit tout à l'heure, pas même qu'il existe un lien, parce que si on dit un lien, ça veut dire que les deux se sont coupés un jour, ils n'ont jamais été coupés, c'est toujours la même chose. C'est même pour cela que si vous lisez dans la Bible, par exemple, à un moment donné, vous allez entendre dire vous suivez les traditions de vos pères. Cette expression est utilisée même dans la Bible. Vous suivez les traditions de vos pères. Vous vous souvenez de ce débat qu'il y a eu à un moment donné entre Jésus et ses disciples, lorsqu'il leur disait, les disciples lui disaient que nous sommes les enfants d'Abraham. Et Jésus leur disait, mais si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez ce que Abraham a enseigné. Or, là maintenant, vous êtes des enfants du diable, parce que vous ne pratiquez plus, entre guillemets, la tradition d'Abraham. Or, en quoi consiste la tradition d'Abraham? Et c'est là où je vais entrer directement dans l'initiation. En quoi cela consiste, la tradition d'Abraham? Et vous allez voir que la tradition d'Abraham, la tradition de l'Afrique, d'ailleurs même, je ne sais même pas si Abraham lui-même n'était pas un Africain. Donc, on a failli vous poser la question, est-ce qu'il était Africain? On a dit qu'il... Nous allons y arriver. D'accord. On va tirer les conclusions au fur et à mesure. Alors, donc, à partir du moment où cette tradition donc, cette tradition d'Abraham, cette tradition qu'a poursuivi Salomon, David, Moïse et Jésus par la suite, la même tradition, la voici comment on va vous la décrire. Et pour la comprendre, nous allons donc partir d'un modèle de progression dans ce qu'on appelle le devenir prêtre-roi en Afrique. Et nous allons prendre le cas de ce qui se passe dans les Grassfields, dans un peuple qu'on appelle le peuple Bamileke. Une tribu de l'ouest du Cameroun. Une tribu de l'ouest du Cameroun. Et vous allez voir d'ailleurs que ça a un rapport aussi avec ce qui se passe au Bénin, au Togo et partout ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dès le départ dans la marche de l'individu? Vous naissez, vous êtes enfant, donc vous apparaissez dans un monde où vous n'étiez pas auparavant. Donc, il se réalise ce qu'on peut appeler une naissance. À quoi va consister
le commencement d'une initiation, ça va être une nouvelle naissance qui doit se déclencher. Et vous allez voir que la nouvelle naissance en question, vous allez voir la similitude tout de suite, par exemple, entre la nouvelle naissance qui est évoquée dans la Bible et la nouvelle naissance qui est évoquée dans les traditions africaines, lorsque, par exemple, dans le peuple de Grassfield, vous devez devenir une nouvelle entité. Comment se passe ce processus? Premièrement, il faut être un élu. Ah, l'élection une fois de plus. Absolument. C'est parce que si vous n'êtes pas élu, vous ne pouvez pas prétendre à l'initiation. Mais qui est-ce qui est élu alors, hein? Très bien. Pour être un élu, il faut être possesseur de l'or. L'or, c'est quoi? C'est l'esprit. Si vous n'êtes pas possesseur de l'esprit, si en vous n'habite pas le principe à partir duquel la régénération d'un homme peut s'accomplir, alors vous n'êtes pas un élu. Et comment donc l'initiateur fait pour détecter qu'il y a de l'or en celui qu'il veut? Eh bien, celui qui suit la véritable initiation a des critères précis. Parce que, comme vous allez l'observer, au fur et à mesure qu'on va décrire comment est-ce que le processus avance, si vous n'êtes pas un initiateur, un véritable initiateur, vous ne pouvez pas savoir comment ça se passe. Parce qu'un véritable initiateur est conduit par l'esprit. Il n'est pas conduit par les conventions humaines. Il n'est pas conduit par les habitudes, par les us. Ah, il est un anticonformiste, on pourrait dire d'une certaine manière. De toutes les façons, l'initiateur est automatiquement un révolutionnaire, un anticonformiste, celui qui refuse de rester dans la conformité. C'est pour cela que tous les fondateurs de religion, les plus grands initiés d'ailleurs, parce que les fondateurs de religion sont les plus grands initiés parmi les hommes, et donc ils ont toujours été des iconoclastes, dont des personnes considérées comme des anticonformistes. Donc comment vous allez être quelqu'un qui veut faire entrer d'autres hommes dans un autre monde qui est totalement aux antipodes de celui-ci, si vous n'êtes pas anticonformiste, si vous ne refusez pas de vous conformer à ce que le monde actuel offre. Donc c'est pour cela qu'un initiateur, fatalement, doit être un anticonformiste. Parce qu'il conduit les gens dans un monde dans lequel ils ne sont pas encore nés jusqu'à maintenant. Ils sont nés dans le monde que nous connaissons, mais ils ne sont pas encore nés dans le monde de l'esprit, dans le monde de la divinité. Alors à ce moment-là, l'initiateur doit en tenir compte et se laisser guider par l'esprit pour son œuvre. C'est pour cela qu'en permanence, l'initiation s'actualise et s'adapte à la situation du moment que traverse l'humanité ou le peuple dans lequel l'initiation doit s'accomplir. Et dès qu'il n'y a pas cette réadaptation, cette actualisation, eh bien, même si ça avait été quelque chose de très positif, automatiquement ça se sclérose et nous assistons donc à ce qu'on appelle l'apparition de la coque vide où il n'y a plus rien de consistant, le contenu a disparu, mais on reste tout simplement avec le symbolisme, avec les actes rituels, par exemple, qu'on accomplissait, juste comme, si vous voulez, un processus répétitif, mais qui perd totalement sa force, sa puissance et sa capacité de pouvoir transformer l'homme qu'on veut faire naître dans un autre monde. Après l'avoir dit, il faut donc qu'on aille pas à pas. Premièrement, vous naissez donc dans ce monde, vous êtes jeune, vous grandissez et tout, mais il y a dès votre jeunesse des aptitudes qu'il est possible de déceler comme des aptitudes à même de pouvoir vous conduire, être sélectionné ou alors être pressenti comme quelqu'un qui va être initié. Dans le cas d'espèce, ça se passe donc à travers ce qu'on appelle l'arrestation d'un chef, d'un roi. Suivez très bien ça, c'est très important. L'arrestation d'un roi participe donc de ce qu'on appelle le choix de l'initié. Parce que qu'est-ce qu'un chef? Et vous allez tout à l'heure, tu as fait allusion au fait que l'Afrique est pleine de religions ou d'approches religieuses. Chaque village, chaque tribu, chaque coin en Afrique, il y en a tellement qu'on se demande, mais est-ce qu'on peut retrouver une unité
dans cette tradition ou dans cette religion. Vous allez constater qu'on va retrouver cette unité-là, mais ce n'est pas chose aisée. Là est la question, elle demeure. Alors, nous allons donc y arriver. Lorsque donc vous commencez à être choisi, donc on va vous arrêter. Qu'est-ce qui fait qu'on vous arrête? On vous arrête d'abord parce que, et d'ailleurs vous n'avez pas oublié hein, comment ça se passe en Afrique d'ailleurs, et même dans cette tradition en particulier, on arrête la personne. C'est-à-dire on ne vous demande pas votre avis. Les notables, donc entre guillemets les initiés, nous mettons ça entre guillemets, vont donc vous arrêter. On va regarder parmi les héritiers potentiels dans la famille qui peut être le chef. Notez donc ceci. Le chef à l'origine, dans les traditions africaines, ce n'était pas n'importe quelle entité. Le chef dans la tradition africaine, dont je préfère d'ailleurs utiliser le terme « roi », parce que le terme « chef » est un terme péjoratif. Péjoratif. Très péjoratif. Oh là là. Dans le mot « chef », tout de suite, il y a la notion de domination. Il y a la notion de dictature. C'est même pour cela que dès qu'on a commencé en Afrique à appeler des gens qui dirigent un pays, par exemple, « chef d'État », c'était fini. La démocratie a disparu. Mais comment ferait-on pour justement démarquer vous allez le comprendre. Citoyens des uns des autres? Vous allez le comprendre. Alors, dès qu'on commence à dire chef, c'est terminé. Chef veut dire, je donne des ordres, vous exécutez. Alors, il s'est donc passé quoi? Un renversement des pôles. Le chef n'est plus serviteur du peuple. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses que dénoncent pas mal de personnes, des opposants politiques et consorts et tout, des personnes de la société civile et consorts, qui ne comprennent plus qu'un chef qui a été élu par le peuple devienne un tyran. Mais c'est vous qui avez donné la possibilité de l'exercice de la tyrannie, parce que vous avez appelé désormais ceux qui sont en charge de servir le peuple, vous les avez appelés chefs. Ce n'est pas des chefs. Dès que vous dites chef, alors ils vont jouer le rôle de chef. Alors, ils ont cessé d'être africains. Ils ont cessé donc d'être africains. Et ils ont cessé d'être rois. Des cultures externes qui voudraient que les rois deviennent des chefs. Et c'est ce qui s'est passé même en Occident. Ah. En Occident, c'était des rois. D'accord, ça va jusqu'en Occident. Ah, bien sûr. Mais quand je vous parle de la déchéance, ce n'est pas seulement celle de l'Afrique. Hein. C'est celle de l'Occident, de l'Orient et de tout ça. Donc, au départ, c'est des rois. La royauté est proche encore de la terminologie qui convient à la spiritualité et à la religion. Parce qu'un roi, c'est celui qui a le souffle. D'ailleurs, ça vient du mot hébreu « roi », qui signifie l'esprit, le souffle. À côté de ce qu'on appelle « nepesh ». Alors, lorsque vous êtes roi, ça veut dire que vous avez le souffle, la parole. Et cette parole que vous avez, vous l'utilisez pour le bien et la transformation du peuple parce que vous avez acquis le pouvoir de la transformation parce que vous êtes devenu prêtre roi, selon l'ordre de Melchisédek. On en reviendra là-dessus. À partir de ce moment-là, lorsque donc on choisit la personne qui va succéder à celui qui était roi, parce que je préfère vraiment bannir et ne plus utiliser ce terme de chef. Vous nous excuserez de parler de chef de temps en temps. On va faire des efforts tous. Hein. C'est notre jargon finalement. Hein. On a hérité et puis c'est lui que nous avons devant nous. On nous a embarqué dans une terminologie qui ne convient pas. Chefferie. Chef de tel. On dit chef traditionnel. Il est même chef de famille. Hein, finalement. Très bien, même les chefs de famille. Oh là là. Il y a des gens qui se sont octroyés le terme de chef de famille. Ça n'existait jamais en Afrique, même en Occident. Et qui étaient-ils ceux-là alors? Vous allez donc voir au fur et à mesure, c'était des rois. Ah, c'est roi donc. Dans la famille, d'accord. Mais bien sûr, c'était des rois, parce que chaque famille avait un roi. Ça nous rassure, monsieur Moubitan. Oui, oui, chaque famille avait un roi, parce qu'il était successeur. Et vous allez voir d'ailleurs, c'est resté encore dans cette famille, dans cette tribu à l'ouest du Cameroun. Dans chaque famille, il y a un successeur. À l'époque,
c'était ses successeurs qui étaient les prêtres rois, c'est-à-dire chargés d'être en connexion avec la divinité et de pouvoir transmettre la parole qui transforme la matière et donc la population pour qu'elle soit de plus en plus heureuse et qu'elle suive le sens de l'évolution voulue par la divinité. Mais voilà que, heureusement, tout cela est resté quand même là. Nous avons encore ça dans nos traditions, c'est encore là. C'est pour cela que je parle souvent de l'épuration de nos traditions, de la revivification de l'esprit qui est dans la tradition et qui est morte à cause de la sensualité et de l'amour de la matière et des plaisirs des sens. C'est ça qui a rendu les choses comme ça. Donc, nous allons évoluer en voyant que, à partir du moment où le premier cadre qui devait constituer en réalité le cadre religieux, c'était la famille. C'est là où la religion commençait. Selon la parole d'ailleurs qui a été relayée à partir de l'Égypte ancienne par Jésus le Seigneur, qui a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Vous ne voyez pas très bien comment. On vous indique déjà, il faut une femme, il faut qu'il y ait un homme, un homme, oui, et ensuite il faut qu'il y ait probablement, parce qu'il y a le « ou » là. Le « ou » veut dire, même s'il n'y a pas d'enfant, il y a déjà une famille. Ou inclusif, c'est l'homme et la femme, la famille. Voilà la famille. C'est par là qu'elle est. Qu'il y ait des enfants ou pas, voilà la famille. Or, c'est là où commence la religion. Entre messieurs et madame, parce qu'ils sont le reflet, chacun, d'une réalité unique qui se différencie en masculin, féminin, en yin et yang. Mais c'est une réalité unique. Donc, ils sont en quelque sorte la possibilité qui est donnée aux hommes matérialisés dans le domaine tangible de pouvoir se réunir à nouveau pour recréer la divinité originelle. Ça veut dire que même à partir d'un homme et une femme qui n'ont pas fait d'enfant, qui n'ont pas du tout même de projet de faire un enfant sur le plan physique matériel, le vrai projet qu'ils doivent avoir, c'est de réaliser donc un enfant, un héritier, un successeur. Or, l'héritier ou le successeur a deux choses. La première chose, il a un héritage. Parce qu'il n'y a pas de succession sans héritage. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord, monsieur. Alors, la deuxième chose, c'est que en dehors donc de cet héritage, il y a donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure qu'on appelle l'élection. Les deux choses doivent être liées. Les deux conditions doivent être réunies. Il faut que vous soyez un élu, c'est-à-dire que vous avez déjà le potentiel qui ne reste qu'à déployer dans cette potentialité que tout homme a en lui, la potentialité universelle. Ensuite, maintenant, vous avez l'héritage. Il faut que les deux conditions soient réunies. Quand vous avez la potentialité et vous avez l'héritage, et la potentialité, c'est ce qu'on appelle l'élection, parce que c'est cette potentialité qui vous rend, qui fait de vous un élu. Et maintenant, il faut effectivement qu'il y ait un héritage. Parce que à quoi va servir un successeur qui n'a pas d'héritage? Très bien. Vous voyez donc que dans l'initiation qui est dispensée dès la première cellule familiale à un successeur, parce que tous les successeurs dans le Grassfield de chez les Bamileke passent une initiation. Forcément, il n'y a rien à faire, ils passent une initiation. Dans une forêt sacrée, peut-on dire, pourrait-on dire? Absolument, en fonction de chaque milieu spécifique. Bon, maintenant, il y a donc cette élection et cet héritage. Premièrement, vous allez voir que parfois même un fou dans la famille, même un fou, c'est-à-dire qu'un enfant, c'est-à-dire que le successeur, je veux dire celui qui détient le pouvoir familial, il doit mourir, on désigne déjà pendant qu'il est vivant, on sait déjà quel est le successeur pendant qu'il est vivant. Soyez attentifs, hein. Je vous ai dit qu'on va monter très haut, soyez attentifs. Alors, lorsqu'on désigne déjà le successeur pendant qu'on est vivant, cela veut dire que celui qui est dans la régence, celui qui est le chef, le roi,
à l'instant là, il a déjà accepté de mourir. Ah. Hmm? C'est important de le comprendre. Hein? Parce que celui qui n'accepte pas d'aller vers la mort ne peut pas accepter qu'il y ait un héritier pendant qu'il est vivant. C'est une évidence. Ah ben, il peut aussi le faire parce qu'il voudrait. Il a le souci de régner même après sa mort. C'est pour cela qu'il transmet le pouvoir. Sans le transmettre, on peut le dire comme ça. Très bien. En général, il y en a qui finalement essaient de jongler comme ça. C'est-à-dire que, bon, il veut transmettre le pouvoir, mais sans le transmettre. Ben, souvent, ça ne marche pas. Ça crée un désordre incroyable dans la famille et pour les générations qui vont suivre. Mais nous prenons le cas où tout se passe de manière normale. Et donc, vous allez voir que celui donc qui est, en quelque sorte, celui qui règne, sait déjà qu'il va mourir et qu'il y a déjà un successeur. D'ailleurs, nous revenons donc à la deuxième marche. Lorsqu'on a arrêté le successeur, on arrête le successeur, ce n'est pas lui qui dit « je veux être successeur ». Jamais. Il est arrêté, il est désigné. Soit de manière mystérieuse à travers des rêves, soit de manière réelle, c'est le père qui dit que non, parmi tous les enfants là, je sens que celui qui a un peu d'amour et qui peut continuer de s'occuper de la famille et tout cela, c'est celui-là. Et je vous dis, même s'il est fou, le roi ou le père ou le successeur, je veux dire celui qui régente la famille, il va vous dire que le successeur, c'est le fou là. Et vous allez vous demander, mais comment vous voyez bien que quelqu'un n'a pas les facultés lui permettant de gérer une famille et vous dire que c'est lui qui est le successeur? Ça, c'est votre problème. La réalité, c'est que le fou là, encore que, vous savez, quand on aura l'occasion de parler de ces choses-là, vous allez voir qu'il n'y a même pas une différence entre un fou, un initié, un vrai initié. Ils sont tous des fous. Donc c'est pour cela que il faut noter que celui donc qui va recevoir, qu'on a déjà identifié comme successeur, et donc comme héritier, et donc comme celui à même de perpétuer ou de faire en sorte que ce trésor qu'on transmet pendant l'initiation puisse être conservé et remis toujours entre des mains dignes, eh bien, celui-là donc va donc tout faire pour que ce ne soit pas subjectif son choix, ça doit être objectif. Et d'ailleurs, il doit souvent même, pour certains, il demande l'aide, le conseil des ancêtres. Chaque jour, il dort, il souhaite que les ancêtres viennent lui confirmer que effectivement c'est celui-là. Et quand il va vous dire c'est celui-là, vous ne pouvez rien changer. Parce qu'en général, ils le font avec l'accord de ceux qui sont déjà partis de l'autre côté du voile. Donc de ceux qui sont morts. Vous avez l'habitude de parler aussi des ancêtres méritants. Ces ancêtres-là, le conseil des ancêtres, de qui est-il constitué? C'est des ancêtres méritants ou juste des ancêtres de la famille? Comment ça se présente là? Ben, nous ne sommes pas encore dans les ancêtres méritants ou non méritants. Parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas déterminer de manière facile ou compréhensible quel est, on pourrait dire, vous n'avez pas l'élection tout à l'heure. Maintenant, les ancêtres, il y a un conseil des ancêtres, c'est ce que vous avez même dit. Des notables. Conseil des notables, bon, qui ont des connexions avec des ancêtres et c'est eux qui font le travail jusqu'à l'arrestation du successeur. Mm-hmm. Bon, on ne connaît pas leur identité, ceux-là. C'est pour ça qu'on s'interroge là-dessus. Vous verrez au fur et à mesure, quand on va donc faire la différence entre l'initiation pour entrer dans le royaume de l'esprit et l'initiation pour entrer dans le royaume des ténèbres. Si on voulait juste être rassuré, monsieur Moubitant. Très bien. Nous allons faire un tour du côté de la technique et nous vous revenons tout à l'heure. Merci bien. Chers téléspectateurs, nous avons le plaisir de vous informer que notre émission Sagesse Seb Africa TV dans YouTube passe désormais le mercredi soir à 19h, heure du Cameroun. Nous vous donnons également rendez-vous le vendredi soir à 19h, heure du Cameroun, pour votre émission sur le panafricanisme et la renaissance africaine, avec la participation du grand prêtre africain Moubitant Yandada. Avec
Merci, Prince, pour ce festival dont on ne peut se lasser. On est dans l'Afrique profonde. Et nous allons tout de suite retrouver notre ami Charles. Charles, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes aujourd'hui un roi, après avoir suivi le grand prêtre Moubitan? Il dit que vous n'êtes pas, ce soir, vous n'êtes plus un chef de famille, mais vous êtes un roi. Et nous sommes dans l'initiation. Alors là, franchement, on est monté très, très, très haut. Très, très, très haut. Mais c'est vrai que ce que Maître Moubitan explique ce soir, je me souviens, il y a à peu près 2 ans, j'étais venu au Cameroun, et en visitant un musée dans le pays Bamileke, il y avait dans le musée, effectivement, une peinture qui retraçait, si vous voulez, ce parcours initiatique. C'est exactement ce que Maître Moubitan vient d'expliquer. Bon, bien entendu, lui-même, c'est un roi. Donc, c'est normal qu'il puisse maîtriser ça du doigt. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dire qu'un chef de famille, c'est, comment dirais-je, qu'il y a une dichotomie ou une différence entre un roi et un chef de famille, bon, c'est pas facilement compréhensible. Voyez-vous? C'est très compliqué à comprendre. Bon, mais que voulez-vous? Ainsi sont les réalités. Alors, entre un roi et un chef, il faut choisir d'être roi. Et pour être roi, Maître Moubitan vient de l'expliquer, il faut suivre le processus initiatique. Mais ce processus initiatique, a priori, il n'est pas aussi simple. Il n'est pas aussi donné à n'importe qui de pouvoir le suivre de bout en bout. Donc voilà ce que je peux dire. S'il y a d'autres précisions, je suis prêt à répondre. Étant donné que la question vraiment est tellement, comment dirais-je, d'un niveau assez très élevé, et il faut vraiment des connaisseurs. Mais je ne suis pas à répondre à si vous voulez rebondir. Oui, c'est juste pour savoir si vous préparez votre succession. Là, il ne suffit pas d'être roi, il faut avoir un ou des successeurs. On veut être rassuré par rapport à ça. Bon, je prépare ma succession, mais sur le plan matériel. Bon, okay. D'accord, Charles, merci à vous. Il faut que je devienne. Merci beaucoup, Charles. Wilson? Oh là là, nous sommes déjà à Doubé ce soir, hein? La royauté, est-ce que tu la vis en ce moment en Martinique? Oui, c'est valable pour tous. Et oui, nous sommes des rois, je veux bien l'admettre, c'est une réalité, oui, absolument. Eh bien, nous sommes dans de retour en studio, grand maître. Oh, c'est quand même renversant hein, ce que vous nous faites comme révélation ce soir. On a du mal à tenir et même à vous relancer par rapport à ce qu'on a comme question, parce qu'on se rend compte que vous nous faites entrer dans un monde complètement antinomique à celui que nous vivons d'habitude. Nous préférons vous laisser parler. Très bien, ben, je vais continuer. Alors, il faut noter que lorsque donc on a réuni les deux conditions, dont l'élection, dont ça veut dire la vocation, parce que l'élection a la vocation, et aussi l'héritage. Alors, vous allez découvrir, tout à l'heure, je viens de constater, quand vous parlez là, ça m'amusait un peu parce que, oui, en tant que modérateur, journaliste, je peux considérer que vous êtes profane. Donc, vous étiez en train de parler en... C'est ce que nous sommes, nous voilà. Sommes profanes, donc, nous cherchons à comprendre. Tu étais en train de parler en profane, là. D'accord, c'est pas évident. Alors... pour nous, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on préfère vous laisser parler. Quand tu étais en train de relancer concernant l'héritage, je veux dire, le successeur que Charles serait en train de préparer, vous allez découvrir, donc, qui est le successeur. Ah, faut pas lui faire peur, hein, nous, ça va comme ça. Alors, vous allez découvrir, vous allez voir, donc, qu'est-ce que c'est que la succession, qui est le successeur. D'accord. Alors, j'ai d'abord attiré votre attention sur le fait que quand quelqu'un accepte qu'il est un successeur, cela signifie qu'il accepte de mourir. Or, ce n'est pas évident. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut. Tout le monde veut conserver sa vie. Mais... attention. Alors, comme tout le monde veut conserver sa vie,
Cela veut dire qu'il n'y a personne qui, de son plein gré, accepte d'avoir un successeur. Et c'est pour cela que vous avez vu parfois certains tuer le successeur avant que lui il ne meure. C'est courant. Tuer le successeur? Oui, bien sûr. Il peut même chercher à le rendre dingue, à l'éliminer, ou alors un conflit terrible se déclenche et il pousse le successeur à commettre une bêtise qui va faire de lui qu'il soit un déshérité. Très bien. À partir de ce moment-là, vous allez observer que lorsqu'on vous arrête, on arrête donc le futur roi. Et je vous dis encore une fois, Africains, tous les hommes, vous êtes des rois. Je dis tout homme, les femmes, vous êtes des reines. Et tous les hommes sont des rois. Parce que en vous... Ça mérite des applaudissements, hein? C'est-à-dire que en vous, vous avez la royauté. Personne ne vous l'a donnée. Je dis bien, femme comme homme, vous êtes des rois. Le problème, c'est que vous avez accepté qu'on vous désigne des chefs et vous vous comportez comme des sujets. Comment pouvez-vous être initié si vous êtes un sujet? Est-ce que vous savez pourquoi dans les traditions africaines, on n'initie pas l'esclave? Non, vous allez oui, me le dire. Parce que l'esclave est un sujet. On ne peut pas, par exemple, dans un peuple, dans une tribu, prendre un étranger ou un esclave pour qu'il devienne roi. Ah, cela n'est pas possible. Parce qu'il est assujetti par le chef. Mais bien sûr, d'accord. Il est assujetti. Donc, il ne peut pas être roi. On ne quitte pas de sujet pour devenir roi. Ce n'est pas possible. On est roi ou on ne l'est pas. Or, je suis en train de vous dire, nous sommes là dans la véritable initiation. Je suis en train de vous dire, vous êtes des rois et des reines. Ça veut dire qu'en chacun de vous, il y a la royauté, il y a une potentialité qui vous permet de vous surpasser et de gouverner un peuple. Chacun de vous peut gouverner un peuple, son peuple, c'est-à-dire l'ensemble de ses composantes de sa personnalité. Voilà le peuple que chacun peut gouverner. Ce n'est pas la population externe, ce n'est pas le dehors. Alors, vous voyez que au départ, c'était cela qu'on appelait initiation ou bien tradition. C'est-à-dire partir de cette potentialité pour la déployer et gouverner le peuple à ce moment-là. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, les deux étaient des régnants. L'un était roi et l'autre était reine. Est-ce que vous comprenez d'où vient la royauté chez la femme et chez l'homme? Vous avez compris d'où ça vient? Voilà d'où ça vient, les amis. C'est-à-dire que chacun avait un peuple à gouverner. Et son peuple, c'était l'ensemble de ses cellules qui constituent son corps, l'ensemble des organes, dont tout son organisme matériel et immatériel, ses différents corps, la structure, tout ce qu'il a comme atome, c'est tout ça qui était son peuple qu'il devait gouverner. Et donc, logiquement, ce n'est pas seulement comme c'est devenu aujourd'hui le chef qui doit être initié, qui doit être arrêté dans le Lahakam. Tous les hommes, tous ceux qui sont dignes, qui sont des élus, c'est-à-dire qui ont une potentialité et qui ont la possibilité de gérer l'héritage, qu'offre cette potentialité. Parce que si vous avez cette potentialité universelle, ça veut dire que vous êtes une divinité, donc un roi. Cela veut dire que vous avez un royaume et cela veut dire que vous avez des richesses, que ces richesses soient matérielles ou immatérielles. D'accord ? Donc la succession ne va pas seulement être sur le plan de la gestion des cellules humaines, mais va aussi être au niveau de la gestion matérielle, donc de la richesse. À partir de ce moment-là, vous êtes chacun de vous qui m'écoutez ce soir. Vous êtes appelé à devenir
ou à prendre conscience de votre royauté et à devenir des rois. Il n'y avait pas question qu'on arrête un roi, qu'on met dans le lacam et les initiés, les notables se mettent à le machin. Oui, c'est un processus qui doit se faire de telle sorte que finalement, tout le peuple qui est relié à cet égrégore, tout le monde, tour à tour, doit avoir régné non seulement sur ses propres cellules, sur sa structure propre en tant qu'entité, mais il devrait, au fur et à mesure des réincarnations, chacun devait régner à son tour. Comprenez-vous ce que nous expliquons? C'est ce qui explique justement ces convoitises que les uns et les autres ont. Mais bien sûr, chacun se sent roi. Mais bien sûr, c'est pour cela que tout le monde veut être roi. Tout le monde sent que, mais c'est pas possible, ce monsieur qui parle là, il sent qu'il y a quelque chose de manière atavique qui lui fait dire, mais c'est pas possible. Mais il parle même comme ça à qui? Tu vois, intérieurement, vous sentez que vous êtes roi, vous ne supportez pas qu'il vous parle, mais ce que vous avez oublié, c'est que vous le faites parce que vous avez des réminiscences, des choses qui parfois vous rappellent votre royaume au moment où vous étiez roi et que vous régniez sur la famille. C'est ça qui vous fait, qui fait qu'à un moment donné, vous ne supportiez pas que quelqu'un d'autre vous gère. Or, vous connaissez la loi selon laquelle, eh bien, vous récoltez ce que vous avez semé. Si vous avez été un bon roi, eh bien, vous serez à l'aise avec le roi qui gouverne. Mais si vous avez été un mauvais roi, vous n'allez pas accepter facilement que n'importe qui vous gouverne. L'orgueil se place et ça crée donc des conflits sur le plan social, donc dans la famille ou bien dans la tribu ou encore même dans la race. Maintenant, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que dès qu'on vous arrête donc, quand on vous arrête pour vous amener dans le lieu d'initiation, c'est ce qui représente aujourd'hui ce qu'on appelle le champ spirituel d'une école des mystères. Voilà le lacam. Alors, ce champ spirituel, vous allez le constater, chacun de vous peut s'interroger. Si vous êtes élève de cette école, vous allez le constater un jour ou d'une manière ou d'une autre. Vous allez constater que vous n'êtes pas venu à l'école là de vous-même. On vous a arrêté. Ah, on nous a... Parce qu'il y a des gens dans l'invisible chargés d'arrêter les gens pour les amener dans le lieu d'initiation. Voilà. J'ai l'habitude de vous dire, il n'y a plus du temps. Il faut que ces choses, les gens puissent le savoir. Ça ne sert plus à rien de garder tous ces secrets. La réalité, c'est que vous n'entrez jamais dans un champ d'initiation. Si vous y entrez par curiosité, par la recherche simple de la satisfaction des plaisirs des sens et tout ça, vous allez être éjecté. Parce qu'il y a un temps de préparation qui va faire en sorte que tu ne puisses pas entrer donc dans le lieu réel d'initiation. Parce que le lacam, donc ce lieu-là, est lui-même compartimenté. Il est compartimenté parce qu'il y a une première étape où il y a préparation. Donc il y a le parvis, il y a le saint et il y a le saint des saints. Voilà comment ça se passe. Et donc quand vous arrivez, vous êtes dans le parvis pour être préparé. Et pendant la préparation dans le parvis, vous allez donc avoir toutes les indications, tous les préceptes, tout ce que pourrait être machin et tout pour qu'on s'assure que effectivement vous allez gouverner votre peuple. C'est-à-dire vous aurez toute la maîtrise nécessaire pour ne jamais non seulement utiliser le bien du peuple pour vous-même, donc par orgueil, donc par égoïsme. On veut se rassurer que vous n'allez pas utiliser les pouvoirs qui vont se déployer pendant l'initiation pour nuire, pour faire du mal
et à vous-même, et même à la population, donc à votre peuple, on veut se rassurer que vous avez aussi accepté de donner naissance aux successeurs. Et c'est pour cela que lorsqu'on arrête un roi, donc, il entre et on va faire en sorte qu'il ait des femmes à l'intérieur. Il va falloir qu'il puisse faire concevoir un enfant. Nous sommes là donc dans la première phase de l'initiation, lorsque toute l'étape de préparation est accomplie. C'est la première étape. Première phase. Ça veut dire que vous devez faire un enfant. Et on doit savoir si vous êtes viril ou pas. Ça ne vous rappelle pas chez les protestants, la prêtrie, chez les prêtres catholiques et consorts, oui. Ça ne vous rappelle rien? Le vœu de chasteté qu'on fait. La virilité. On doit s'assurer que vous êtes viril et que vous pouvez faire naître un successeur. Mais maintenant, vous allez vous demander, mais attends, comme il y a donc plusieurs femmes qui entrent avec vous dans le lac, hein, mais alors si vous faites avec celle-ci, vous faites ça, ainsi de suite, vous pouvez faire 10 enfants à la fois, vous pouvez concevoir 10 à la fois. Alors, comment on va faire pour retrouver donc finalement le successeur? Le successeur. C'est comme ça qu'on pourrait s'interroger. Et très bien, maintenant nous vous ramenons dans la véritable initiation. Le successeur qui doit naître, qui doit prendre naissance, lorsque vous allez entrer dans la véritable initiation, c'est bien celui qui jusqu'à maintenant était votre enfant, le fils de l'homme qui est à l'intérieur de vous, c'est lui qui va être le successeur. Ça veut dire après vous, c'est lui. Donc vous voyez qu'on n'entre pas dans le lieu d'initiation pour aller fabriquer un enfant qui sera chef, mais on y entre pour aller faire naître un roi. C'est pour cela que pendant que on t'arrête pour être roi, tu dois faire apparaître un roi. Vous ne comprenez pas ça? Nous sommes dans le mystère, grand prêtre. C'est pas évident de comprendre ce que vous dites. Évidemment, c'est pas évident. Mais maintenant, regardez vous-même la chose. Comment quelqu'un a été arrêté? Il n'est même pas encore devenu roi. Il n'est pas sorti de là qu'il fait déjà son successeur. Et vous pensez que le successeur, là, c'est un homme ordinaire? Non. C'est une entité qui était quelque part et qui attendait de prendre le trône. Et cette entité qui attendait de prendre le trône, c'est bien cet esprit qui est en l'homme et qui va donc devenir le véritable roi et qui va faire du roi qui a été arrêté et qui est entré dans le lac, donc dans le champ de travail, eh bien, il va faire donc de lui, donc de cette personnalité, un prêtre roi. Il va exercer le sacerdoce royal et il va être prêtre parmi et dans l'ordre de Melchizedek. Donc, à partir de cet instant-là, vous voyez comment l'initiation qui est contenue dans le christianisme, dans le taoïsme, dans l'Égypte ancienne, dans nos traditions même à l'heure actuelle, est exactement le processus qu'il faut suivre, parce que pour que ce monsieur, ce roi donc qui a été arrêté, pour que le successeur puisse effectivement apparaître, il va falloir donc qu'il traverse les 9 stades d'initiation à l'intérieur de ce lacan. Les 9 stades qui sont représentés par les 9 semaines qu'on doit passer à l'intérieur. Ces 9 stades donc, ces 9 strates, ces 9 sphères, il doit les traverser progressivement avec quoi donc? 1. L'austérité. Il doit apprendre à vivre une vie austère. Dans le lacam, on ne mange plus ce qu'on a l'habitude de manger. Parce qu'on est en train de préparer déjà l'homme à devenir autre chose. Un peu comme la reine chez les abeilles. Hein, ne mange pas n'importe quoi. Il mange la gelée royale. Il mange la gelée royale. La gelée royale. Et donc, on va donner au chef, au candidat à la royauté, la gelée royale.
Une autre chose est, si vous entrez un peu dans l'élevage des abeilles, vous allez comprendre qui fabrique la gelée royale. Et vous comprendrez très bien de quoi il s'agit. On ne pourra pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il ne va plus manger n'importe quoi. Donc, il va mener une vie ascétique. Il va donc mener une vie de privation. On peut dire donc de lui qu'il est entré en quarantaine. Ok? Intérieur, mystique, intérieur, qui n'ont rien à voir avec la chair. Avec ça là, ça n'a rien à voir. Tout est totalement spirituel. Mais maintenant, je voudrais vous dire, Charles tout à l'heure faisait allusion à ce que nous avons vu à l'ouest, lorsque nous sommes allés visiter, on a regardé sur un tableau le parcours initiatique pour devenir un roi. Ce parcours a culminé en un événement qui est aussi exactement l'événement qui s'est déroulé dans le jardin de Gethsémani et en particulier au sommet du Golgotha. Exactement la même chose. Celui qui est en train d'être initié va être appelé avec l'aide et l'appui des notables à supprimer la vie d'un bélier à coup de lance. Vous comprenez? Est-ce qu'il n'y avait pas les lances dans le cas de Jésus? C'est la lance qui lui a percé le côté. Très bien. C'est la lance qui a percé le côté. C'est pour cela que le chef va être chargé, entre autres choses, de percer le cœur du bélier. Est-ce que vous comprenez maintenant le sacrifice suprême qui va être donc réalisé au sommet du Golgotha? C'est ce sacrifice suprême qu'on doit réaliser lorsque, au lieu que ce soit le chef qui meurt, il y a substitution par le bélier. Et nous retrouvons là la religion abrahamique. Donc, nous sommes en plein dans la tradition et la religion. Tout ce qui s'est passé, que ce soit dans le christianisme, dans les religions d'Abraham, dans les religions du Bouddha, dans toutes les religions, ça a été le même parcours initiatique. Et les différences sont au niveau superficiel, au niveau de l'environnement culturel, l'environnement immédiat de là où se déroule l'initiation. Et c'est pour cela que j'ai parlé de l'adaptation et de l'actualisation. Je vais d'abord m'arrêter là parce que il me semble que jusque-là c'est encore un peu trop dense. Mais c'était déjà pour vous dire que l'initiation est la clé de voûte de la tradition et de la religion. Une religion sans initiation n'est pas une religion, et c'est ce que vous vivez tous les jours, parce que tout le monde va à l'église, va crier « Je vous salue Marie », va faire les you-you, animal, donc un bélier si vous voulez, qui doit être sacrifié pour que le vrai homme, l'homme intérieur, puisse désormais se déployer dans toute sa magnificence, et ainsi on devient donc le véritable prêtre-roi. Parce que non seulement on gouverne son peuple, toutes ses cellules, toute la personnalité, la chair est désormais sous la conduite de l'esprit. Ce n'est plus la chair qui domine l'esprit, mais c'est l'esprit qui, maintenant qui domine la chair, et l'esprit conduit la chair là où il veut. Voilà comment un homme et tous les hommes deviennent des prêtres-rois. Et parfois donc, vous avez besoin d'une centaine d'incarnations pour arriver jusqu'à ce que vous accomplissiez, vous arrivez à devenir un prêtre-roi. J'espère que pour ceux qui nous suivent actuellement, c'est leur dernière incarnation et dans quel cas, ils connaissent désormais l'adresse. Merci d'avoir décidé de vous arrêter un moment, grand prêtre. Et cela nous permet de digérer justement tout ce que vous venez de nous dire, parce que nous tombons de nuit là. Hein? Nous allons aller du côté de la technique et respirer un peu.
musique renaissante, hein, vivement que nous nous retrouvions tous pour nous trémousser sous le rythme de ces belles sonorités. Nous faisons confiance à nos divers téléspectateurs qui malgré tout nous suivent. Et Patrice nous dit, grand prêtre, aujourd'hui, arrêtez un chef chez nous, c'est la corruption totale. Claude, qu'est-ce qui se passe si celui que la notable arrête et il refuse? C'est à vous qu'on pose sûrement la question, grand prêtre. Non, je ne peux pas répondre à ça. Oui, on va répondre. Hein. Vous ne pouvez pas refuser quand on vous a déjà arrêté. Vous devez fuir avant qu'on ne vous arrête. Dès qu'on vous a arrêté, c'est fini. Ça, je peux vous le garantir. C'est pour cela que c'est ceux qui entrent par effraction et qui entrent, comme j'ai dit tout à l'heure, sans mériter, sans être élu, sans être un élu, un héritier. C'est eux qui se retrouvent par hasard à l'intérieur du champ initiatique. Mais à un moment donné, quel que soit le temps qu'ils vont mettre, ils seront obligés de partir. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas été arrêtés. Ils sont arrivés et ils sont entrés. Ça arrive, non? Surtout quand on est encore sur le plan au niveau du parvis. Même les voleurs entrent. Ils perdent ses dérobes, comme on dit. Mais bien sûr. Parce que dans le parvis, on est encore dans la matière. Hein, on est encore dans le monde avec tout ce que cela comporte. Et c'est là où les mythes, les termites, les voleurs entrent. Donc, dans le parvis d'une école, d'un lieu d'initiation, on peut se retrouver dedans avec des gens qui ne méritent pas d'être dedans. Ça arrive toujours comme ça. Mais après, donc, la pesée va démarrer. Quand on va prendre la plume maintenant, on va mettre la plume, on va mettre le cœur, on va balancer. Eh bien, dès que la pesée va démarrer, c'est terminé. Vous allez être éjecté automatiquement parce que la fréquence vibratoire du lieu où désormais vous allez entrer ne permettra plus que vous puissiez rester. Et donc vous allez être éjecté, quel que soit le temps que vous avez mis dans le parvis. Ah, il y a un téléspectateur qui nous dit, c'est sot, hein, on pense. Bonsoir grand prêtre, pendant l'arrestation de l'initié, où se trouve, se place en libre arbitre? Eh bien, c'est lui-même qui a attiré ceux qui l'arrêtent. Parce qu'il est un élu. Il a la potentialité et le rayonnement de la potentialité a appelé les gens qui arrêtent. Patrice revient et dit, avant grand maître, je pense que au début, le roi du village n'est pas au père, au fils. Quand le roi se comportait mal, la communauté choisit un nouveau roi. Mais bien sûr, c'est pour cela que je vous ai dit que la royauté, c'est une question d'initiation. Parce que si un roi qui n'est pas un vrai initié s'est retrouvé sur le trône, évidemment, on va lui trancher la tête. Il est arrivé par usurpation, comme celui qui évoquait le cas de la corruption. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent le titre de chef, le successeur, notable, roi, hein, avec les moyens de corruption. Et généralement, à un moment donné, ce qui les attend, Si vous voyez les vrais initiés, ils vont vous dire que non, laissez-le, il n'y a pas de problème. Ça va se régler. Ah, on sait qu'il ne fera pas l'enfer avec ça. Et vous allez voir qu'après un temps, au fur et à mesure, si on compte tel nombre de temps et tout, s'il survit, ça veut dire qu'il devait être là. Donc ils laissent souvent la possibilité parce qu'ils savent que tu ne peux pas retenir le pouvoir, le gérer, si tu n'en es pas digne. Automatiquement, tu vas avoir non seulement toi des problèmes, mais en plus, ça va être sur l'ensemble des, je veux dire, de ta postérité. Sa postérité. Voilà. Donc, c'est une faute très grave d'usurper le titre de roi et de pouvoir gérer des gens, puisque vous ne serez pas capable de leur apporter le bonheur et tout ce que cela comporte. Voilà. Avant de revenir à vous, on va retrouver Wilson pour qu'il puisse nous aider à comprendre. De quel côté se trouveraient les pratiques occultes? Où est-ce qu'on peut les mettre? Tous ceux qui veulent forcer l'initiation et qui n'en sont pas dignes. On observe qu'il y a des gens qui prêtent le flanc à l'occultisme pour pouvoir y arriver. Est-ce que Wilson, tu peux nous répondre par rapport à cela? Nous restons dans le domaine des mystères, hein, et vous êtes profane comme moi. En suivant ce que le grand prêtre a dit, nous avons pensé à des pratiques occultes que les uns et les autres utilisent pour pouvoir arriver, comme dirait-il, à l'initiation.
et l'impact de ces pratiques occultes, on sait comment ça se passe à peu près. On sait à quel niveau la société se trouve avec ça. Quel est justement le lien qu'on peut faire entre les déclarations du maître et ceux qui veulent entrer de force dans l'initiation? Que le maître a des avantages, c'est-à-dire que ceux qui veulent c'est l'entrée par des moyens qui soient occultes, qui soient un peu ceux qui ne sont pas fiers, ceux qui n'en ont pas les moyens. Hein, on a la lumière qui se promène dans une direction où finalement les choses se font elles-mêmes. C'est-à-dire que celui qui n'a pas les vraies raisons, les vraies dispositions pour être dans ce genre de situation, forcément à un moment ou un autre, incapable de pouvoir se porter des vibrations qui s'imposent dans leur initiation. Donc, en conséquence, personne ne peut supporter ces vibrations. Donc, mon ami, de manière positive, à ce qu'il lui est demandé, soit se retrouve toujours à ne pas capable d'aller dans ce processus d'initiation, soit ces personnes vont par elles-mêmes imploser, c'est-à-dire avoir un processus où leur système va je ne sais pas comment expliquer ça de façon claire, je crois que c'est le grand maître qui peut nous expliquer ça de manière très claire. Donc, comme que ces gens n'ayant pas la capacité de pouvoir absorber ces vibrations, absorber ce qui est nécessaire pour s'élever, donc sont éjectés donc, de ces rangs et de ces phénomènes. Bon, heureusement que la lumière a à des moments donnés, elle se protège elle-même. Allô, allô? Nous vous avons suivi à moitié, Wilson, et... C'est ce que je peux répondre. Allô? Allô, allô? Nous vous entendons mal, Wilson, et nous sommes obligés de revenir de ce côté pour retrouver le grand prêtre et... Nous allons embrayer sur les sacrifices. Grand maître, les sacrifices, qu'ils soient ceux, on pourrait dire des animaux, des biens, des personnes, pourquoi les sacrifices? Vous avez parlé du lac Kam tout à l'heure. Et pour qui c'est, dans le continent africain, quelle que soit la religion qui est pratiquée, quel que soit le culte qui est pratiqué, on est dans l'ancestralité, on est dans la tradition, on est dans les coutumes, on est dans tout. Il n'y a pas un pas qu'on puisse faire sans qu'il y ait un sacrifice d'animal ou d'humain. Pourquoi ne peut-on pas être initié sans avoir à supprimer une vie? Pourtant, on prétend aller vers le bonheur en rendant les autres malheureux. Pourquoi les sacrifices absolument? Bien, alors, je vais peut-être surprendre les uns et les autres. Rien ne peut s'obtenir sans sacrifice. Rien. Et le sacrifice suprême, c'est le sacrifice de l'homme. Bien. Mais ce n'est pas un homme qui doit sacrifier un homme. C'est l'homme qui doit se sacrifier. Merci pour la précision. Hein. Ça va en édifier beaucoup. Alors maintenant, cet amalgame, je veux dire, cette déchéance, cette perte de la liaison avec l'esprit a fait en sorte que ce qu'on présentait à l'humanité comme enseignement symbolique a été pris à la lettre, au premier degré, et des gens se sont mis, lorsqu'on disait par exemple le serpent, ils partaient chercher un serpent là-bas pour venir le sacrifier. Quand on disait le bélier, il partait chercher un bélier pour le sacrifier. Quand on disait un chien, il partait chercher un chien pour venir l'égorger.
Ce n'est pas de ça qu'on parlait quand on parlait du chien, du bélier, de la tortue ou quoi que ce soit. Tout ça, c'était symbolique parce qu'à l'intérieur de l'homme, il y a tous ces animaux. Je dis, l'homme est un monde en soi. Certes, un petit monde, mais un monde tout de même. Et ce monde contient tous les animaux. Je dis, tous les animaux qui existent sur la terre sont en l'homme. Tous les animaux Je sont dis en l'homme. Tous, sans exception. Ils se trouvent où alors? Très bien. En l'homme. En l'homme. Bien. Quand je dis que l'homme est un monde en soi, c'est que l'homme est une structure cosmique, donc microcosmique. Et donc, à l'intérieur de ce cosmos, il y a et les astres, et les étoiles, et les animaux, et les végétaux, et les minéraux, et le règne humain. Tout ça est à l'intérieur de l'homme. Et dans le règne des animaux, il y a les reptiles, il y a les oiseaux, il y a les poissons, il y a les quadrupèdes, ainsi de suite. Tout cela est en l'homme. Il n'y a aucun animal